sont les seuls à être venus. Qu'est-ce que tu crois? Tous les autres ont dû se faire tuer. Voilà ce qui arrive quand on va se balader de l'autre côté du mur. Moses! Moses! Excusez-moi, monsieur. Je ne vois pas mon fils parmi vous. Il s'appelle Moses. Dites-moi qu'il va bien, je vous en supplie. Bonjour, madame, je suis son commandant. Apporte la dépouille. Oh. C'est tout ce que nous avons pu récupérer. Dites-moi au moins que mon fils a défendu notre cause. Même s'il n'a pas eu le temps d'accomplir lui-même de grands exploits. Dites-moi que sa mort a été utile. Dites-moi que mon fils a contribué à la riposte de l'humanité. Évidemment, madame. Oh. Non. J'aimerais pouvoir lui apporter un peu de réconfort. Mais une fois de plus, nous rentrons la queue entre les jambes. J'ai honte de le reconnaître, mais notre expédition n'a rien donné. Non seulement la mission a échoué, mais à cause de mon incompétence, de nombreux soldats ont trouvé la mort. Nous n'avons toujours pas réussi à découvrir leur vraie nature, alors nous avons fait tout ça pour rien! C'est lamentable. Je te le fais pas dire. À chaque fois qu'on envoie les soldats en expédition, c'est comme si on essayait de les engraisser, ces horribles monstres. Qu'est-ce qui te prend, Minus ? Hey ! Qu'est-ce que tu fais, Mikasa ? Hé, toi là-bas ! Où est-ce que tu crois aller ? Reviens ici ! Mikasa ! C'est bon, tu peux me lâcher ! Ça va pas, la tête ? C'est malin, j'ai fait tomber tout le bois à cause de toi. Dis, Eren, est-ce que tu veux toujours intégrer le bataillon d'exploration? Réponds-moi franchement. Tu peux m'aider à tout ramasser? Tu pourrais le faire tout seul. C'est nous, on est rentrés. Ah, bonsoir les enfants. Regardez-moi tout ce bois. Dis donc, tu nous en as rapporté plus que d'habitude. Oui, peut-être. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais quand tu me caches des choses. Tu as les oreilles qui deviennent toutes rouges. Mikasa t'a donné un coup de main, pas vrai? Papa, tu vas être obligé de sortir pour ton travail? Oui, Eren, j'ai des consultations en métropole. Je vais m'absenter 2 ou 3 jours. Je voudrais vous prévenir. Eren veut rejoindre le bataillon d'exploration. Tais-toi, Mikasa, c'est pas tes affaires! Eren! Mais enfin, tu peux me dire ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu sais combien de personnes sont mortes parce qu'elles ont décidé de quitter l'enceinte du mur? Oui, maman, je le sais très bien! Alors dans ce cas... Moi, Eren, je sais que tu rêves de t'aventurer à l'extérieur, mais pourquoi y tiens-tu tellement? Je veux découvrir le vaste monde! J'ai pas envie de passer ma vie derrière ce mur! À me demander ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté! J'ai besoin de savoir! Et puis si personne ne prend la relève, si personne ne poursuit les explorations, tous les soldats qui se sont sacrifiés seront morts pour rien. Très bien, je vois. Bon, je dois y aller. Le bateau va bientôt partir. Non, attends, chérie. Il faut que tu raisonnes Eren d'abord. Tu sais, Carla, notre fils possède un esprit inquisiteur. Un esprit qu'il est impossible de détourner de son but. Eren ?
À mon retour, je te montrerai la pièce secrète qui se trouve au sous-sol de la maison. Ah oui, vraiment ? À bientôt, papa ! Moi, je suis contre. C'est de la folie de vouloir rentrer dans le bataillon d'exploration. Tu penses que ça, c'est de la folie, maman ? Pour moi, ce sont plutôt ceux qui acceptent d'être traités comme des animaux qui sont cinglés ! Eren, reviens !